C'est quoi ton moteur, toi? C'est quoi qui te... Mon moteur, c'est simple. Mettons que la Terre a 4 milliards d'années, là, t'étais pas né pendant combien de temps? Ben, pendant tout ce temps-là, là, moins 51. Et puis, tu vas être mort pendant combien de temps? Pas mal l'équivalent et plus, là. Ouais. Tu sais, fait que ce qui entre les deux, là... Ouais. Toi, c'est ça, qui... c'est ça ton moteur. Ben, c'est précieux. Ouais. Tu sais, sur l'histoire de l'univers, là, ouais. Tu sais, le miracle de la vie, là, de... Il y a de l'air qui rentre dans mes poumons, je suis vivant, je suis pas né, puis je suis pas mort, là, c'est ça, là. La Terre a 4 milliards d'années. L'être humain, 300 000 ans. Donc, si l'histoire de la Terre et de l'humanité était une journée, nous, on arriverait à 23h59 minutes 55 secondes. C'est pas beaucoup. L'urgence de vivre, pour moi, ça veut pas dire de rouler à 200 000 à l'heure puis de faire des flips en parachute avec Guillaume Lemaitre-Vierge, là, tu sais. Pour moi, l'urgence de vivre, ça peut être juste un matin où je vois mes enfants chicaner puis que la lumière rentre dans la cuisine, je fais comme... Wow! Ouais. J'ai découvert ça, moi. Arrête! Il m'énerve, mais j'adore ces moments-là, 8 et 11 ans. Ah, c'est ça, OK. Fait que, tu sais, l'urgence de vivre, c'est de savourer ces moments-là. L'urgence de vivre, pour moi, c'est avoir envie de peser sur pause, dire, ah, OK, c'est... Ce moment-là, là, l'éternité de leur enfance, là, elle va, à un moment donné, elle va s'effriter. C'est vouloir, c'est être quasiment nostalgique du moment présent tellement il est beau puis il est le fun, tu sais.